Eh bien, salut à tous, comment vous allez? Bien, j'espère. Moi, c'est Patrick Somba, développeur web et ingénieur chez Upgrade Enterprise. Ok, je suis ravi déjà de vous avoir devant votre écran sur ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et vous allez recevoir du lourd. Ça arrive très fort. Déjà, je vous avais promis une longue série de tutoriels sur WordPress et sur le PHP. Et bien, je suis là aujourd'hui. On peut commencer ensemble sur le WordPress. Alors, pour aujourd'hui, on va démarrer avec quelque chose de slow, light, quelque chose de facile. On va essayer de transformer notre plateforme WordPress à une véritable application de gestion d'établissement scolaire avec tous les modules y compris. Alors, qu'attendons-nous pour commencer? On se retrouve sur ma machine. Ok, WordPress déjà installé. J'ai déjà, nous allons sur extension directement là. J'ai déjà téléversé l'extension parce que ça prenait un peu de temps. Alors, si je faisais attention sur la vidéo, ça allait être un peu plus long. Donc, nous allons activer simplement l'extension là. Je clique sur activer et on attend. On attend encore. Et pendant qu'on attend, je profite déjà pour vous dire qu'il y aura une nouvelle série vidéo où on pourra décortiquer certains plugins importants vraiment ensemble. Ok, l'extension est déjà activée, voilà, ça nous fonctionne. À l'instant où l'extension est activée, on voit déjà la barre là, qui s'affiche la gestion de l'école. On va aller directement sur le bon là, pour essayer un peu de voir les différents modules qui sont intégrés à notre plugin. On attend. Vous excusez, c'est un peu long parce que la qualité de la connexion aussi n'est pas assez bonne. Donc, on va juste attendre un peu. Je crois que je vais faire ça en temps, puis je vais avancer et puis on verra. Donc, nous sommes sur le tableau de bord. Voilà, ça se présente les enseignants, les parents, personnel de soutien à vie aujourd'hui et tout ça, même ça, je parle. La traduction est déjà pas mal. Elle est pas mal. De base, je l'ai aussi en anglais et la traduction est pas mal. En français, on peut utiliser ce problème. Je rappelle que l'on peut être utilisé en situation réelle, c'est-à-dire on peut gérer carrément l'établissement scolaire physique. Donc, sans problème, on peut gérer. On a tous les modules qu'il faut. On a le module admission, le module étudiant, enseignant, personnel, soutien, parents, sujet, classe, la team, la fréquentation. Je ne sais pas ce que c'est, mais bref, on a examen, ça va prendre. Il y a le grade de bookmarké, les devoirs, auberge, bref, le transport à vie pour passer des notifications. Et paiement déjà. On voit que tout y est déjà. Tout y est déjà installé pour le bon fonctionnement d'un établissement scolaire. Le plugin assez pratique. Écoute, je crois à peine 30 000, je crois. Écoute, à peine 30 000, un dollar, coûte 49 dollars, il est bon. Donc, on va revenir sur ce plugin avec plus de détails dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer clairement ce que ce plugin embarque comme fonctionnalité. On va faire certaines simulations pour ceux qui voudront acheter le plugin et puis je vais vous montrer tout ce qu'il faudra faire pour démarrer à merveille son année scolaire. Mais comme on peut le voir, on sait que je le vois, c'est assez pratique, c'est assez facile à utiliser, il n'y a rien de compliqué. Même sans manette, vous pouvez vous en sortir tout seul. Voilà. Ok. Donc, déjà, je ne vais pas perdre le temps, le plugin est déjà installé et vous avez pu essayer de parcourir avec moi les différents modules, les différentes fonctionnalités. On a dit qu'on revenait de suite avec, on va aller revenir dessus avec plus d'explications dans une autre vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va aussi construire un front-end, un site web où tout le monde va arriver et par exemple avoir différentes informations de l'établissement, avoir carrément un espace vitrine pour l'établissement et faire des inscriptions en ligne. Comme vous voyez là, ici rien n'est travaillé, mais on peut quand même s'inscrire en ligne directement. Il y a déjà les liens qui sont déjà compris. On va essayer d'arranger ça pour la prochaine fois. On va essayer d'embellir ça tout et faire une plateforme complète qui sera opérationnelle pour vous. Donc, n'oubliez pas déjà de vous abonner si vous n'avez pas d'abonné et activer la cloche de notification pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Car ce n'est que le début d'une aventure et vraiment, je vous promets du lourd. Ça va vraiment du lourd. Donc, merci de m'avoir suivi et ok, merci de nous avoir suivis.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous espérons vous avoir nombreux dans la prochaine vidéo. Et déjà, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Nous sommes ensemble. Ciao.